fleurs. Oh oui, c'est beau. Et qu'est-ce que je suis épuisée. Dis-moi, Fanny, c'est toi qui t'achètes des fleurs? Non, on me les a envoyées. Qui ça? Un copain. Ah, et on le connaît, ce copain? Non, c'est un copain de bureau, Denis. Denis Borto. Ah, mais dis-moi, on le connaît pas? Non, il est nouveau. Et c'est ce nouveau qui... Enfin non, disons que je ne le laisse pas indifférent. Mais dis-moi, il a l'air de te plaire. Oh, me plaire... Non, il est gentil, gentil. Allez, allez, explique-nous tout. Il est comment, ton Denis nouveau? Pas mal. Bon, bien sûr, un peu... enveloppé, mais pas mal, pas mal. Enveloppé ou carrément gros? Gros, clair, t'es folle. Non, il est un peu rondouillard. Mais il a de très beaux yeux. Et puis, finalement, c'est pas si mal, le genre costaud. Oh là là, mais elle est accrochée, la petite, là. Oh, accrochée, accrochée. Non, je sais pas, non. Non, disons que c'est agréable. Quelqu'un qui vous envoie des fleurs et qui vous sourit. Ça, qui le dis-tu? Moi, ça fait des lustres que ça m'est pas arrivé. C'est bien simple, je me souviens même plus de l'effet que ça fait. Eh ben, moi non plus. Salut. Salut. Tu bosses, là? Ben oui. Hé. Comment tu me trouves? Très bien, moi, très bien. Attends, tu me regardes même pas. Si je te dérange, dis-le tout de suite. Alors? Bon, excuse-moi, mais j'ai fait aimer. Ça y est, tu daignes me jeter un regard. Alors? Ça y est, tu es devenu fou, quoi. Pourquoi? Ben, c'est quoi cette tenue? Ben, c'est mon nouveau look. Look grunge. Ton nouveau look grunge? Ouais. C'est une idée à Charles. Rappelle Charles? Ah oui, Charles, celui qui a vendu son troupeau de chèvres pour aller vendre aux puces, c'est ça? Ouais. C'est vrai qu'il est un peu bohème, Charles. Mais alors là, ça y est, il a tout plaqué la brocante, il s'est reconverti dans l'élevage de vers de terre pour les pizzas. Mais bon, c'est pas ça le problème, hein. Tu vois? D'après Charles, le look grunge a fait craquer les gonzesses. Mais qu'est-ce que tu racontes, Marc? Ah ben, la vérité. Tu verrais l'agenda téléphonique de Charles. Énorme, obligé de transporter dans une brouette. Alors là, ça fait craquer les gonzesses. Hein. D'ailleurs, tu devrais essayer, toi. Non, merci, Marc. Tu vas bien de ce côté-là pour l'instant. Oui. Eh ben, moi, ça va bientôt aller très bien. Magali, elle va tomber. Là. Magali va tomber, c'est sûr. Ah ben d'accord. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi tu dis ça? Si j'ai bien compris, ce nouveau look grunge, c'est pour Magali, c'est ça? C'est pour Magali et pour les autres, hein. Moi, je suis pas sectaire. Puis ça va aller avec la moto que je me suis achetée. T'as acheté une moto? Évidemment. Je vais pas me balader dans ma voiture habillée comme ça. Tu verrais la moto. Un bijou. Un bijou. Les pots chromés, la selle avec les franges en cuir et le moteur. C'est une 950. C'est un miracle de la technologie. Et ça coûte combien, ce miracle de la technologie, Marc? Au prix de base, pas très cher. C'est avec les options que ça commence à chiffrer. Et tu ne pouvais pas te passer des options? Ah bah non, c'est nul, ça. Oui, évidemment. Alors, combien ça coûte? Faut que je prévienne mon banquier. Pourquoi? Mais pas du tout, écoute. C'est moi qui ai décidé de l'acheter, cette moto, c'est à moi de la payer. Ah bon? Et comment? Bah je sais pas, je vais demander une avance à mon éditeur, par exemple. Ah oui, t'as fini ton roman? Non. Marc, tu sais très bien qui refuse toute avance sans avoir lu au moins 100 pages. Ah oui, t'as raison. Toi, tu es à quelle page, Marc? J'attaque la 4. Enfin, je suis à la fin de la 3. Ouais. Alors, dis-moi pour que je puisse prévenir mon banquier. Il en est pas question! Tu vas pas supporter tous mes caprices aussi. Je sais! Je vais vendre le tableau de ma grand-mère. Celui qui est dans ta chambre? Ouais, je veux mon 2. Tu sais qu'il a vachement de valeur. Mais Marc, je croyais que tu étais né. Et c'était le seul souvenir que tu avais d'elle. Ben oui. Mais bon. Marc, tu vas pas vendre un souvenir pour acheter une moto? Ben si. Et puis j'ai pas le choix. Bon, ok, Marc. Garde ton tableau. Je vais la payer, cette moto. Non, Daniel. Cette moto, c'est moi qui l'ai achetée. C'est à moi d'assumer. Bon.
Ok, Marc, ben, disons que je t'avance l'argent. Et tu me rembourseras quand tu auras publié ton roman, voilà. Ça m'embête. Tu sais, moi, j'aime pas devoir de l'argent à quelqu'un. Puis je sais que t'es un peu juste en ce moment. Ah, non, ça va, Marc, je te jure, ça va. Bon, bah, ben, si t'insistes, je vais pas te contrarier. Je sais que ça te fait plaisir. Merci. Ah ben, évidemment. Marc, tu es sûr que tu as vraiment besoin de toutes ces options? Stéréo laser, téléphone, double pot d'échappement, chrome... C'est pour me faire reprocher tous les détails? Je préfère vendre le tableau de mère grand, moi. C'est pas pour te reprocher. C'était juste une question. Eh ben, la réponse est oui. Si j'ai choisi ces options, c'est que j'en ai besoin. Évidemment, si c'est pas dans tes moyens, différent. Ça te gratte pas, toi? J'ai vos pieds. Bah écoute, moi je me suis pas franchement posé la question. Moi non plus. C'est Denis qui me dit que j'ai de beaux pieds. Ouais. Vous en êtes déjà ce degré d'intimité. Non, mais l'autre jour il est rentré dans mon bureau, j'étais pieds nus. Il m'a dit, vous avez de beaux pieds, vous savez. C'est beau. Hein? Ça change la vie. Mais dis-moi, ça a l'air sérieux entre lui et toi. Oh, sérieux, sérieux, je sais pas encore. Non, mais disons qu'il est attentionné. Ah ça, il t'envoie de très jolies fleurs. Oh, mais les fleurs, c'est un détail. Oui, puis c'est vrai que t'as de beaux pieds. Mais il ne me parle pas que de mes pieds, vous savez. Et c'est vrai qu'il est un peu gros. Gros, non, gros, un peu robé, enveloppé, un petit côté nounours, quoi. Oh là 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 là, les filles, faut que je vous quitte, j'ai un rendez-vous. Oui, Denis m'invite à déjeuner. Tu me raconterais? Ouais. Oh, Gérard! Mais qu'est-ce qui lui arrive, les filles? Elle a l'air drôlement guillerette, Fanny, ouais. Aujourd'hui. Et elle... c'est pourquoi? Elle a un amoureux. Oh, elle a un amoureux. Mmh. Elle en a de la chance, mais ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. Ah, moi non plus. Bienvenue au club. C'est vrai que c'est dur de vivre sans amour. Ben oui, on devient comme une fleur sans eau. Ah, ça, on fane. Hein. Puis on se dessèche. Puis on se recroqueville. Puis on finit par mourir, tout simplement. Ah bah dis donc, c'est gay comme programme. Et là, on en est où, Claire? Je sais pas. Peut-être pas encore au dessèchement et au flétrissement, mais ça va pas tarder. Qu'est-ce que vous racontez, les filles? De belles plantes comme vous? Peut-être, mais sans eau. En femme. Mais tu dis ça, Magali? Toi, t'en as un d'amoureux. Ah bon? Bah écoutez, Marc. Marc? Bah oui, Marc. Oh, Marc. Bah, peut-être, mais Marc, c'est un véritable amoureux. Tu vois dans quel état il est à chaque fois qu'il me parle de toi, tu dirais pas ça? Remarque, tout réfléchis, j'en profite peut-être pas assez. Bah tiens. Alors voilà, mon cher Daniel, vous savez tout. Oui, Madame Pichardot, je crois que j'ai bien compris le message. Vous savez, Daniel, c'est à père que revient tout le mérite de cette opération de rapprochement entre les ballets Pichardot et les Brosses Duval. Ah ouais, c'est très bien. Et pour tout vous dire, le père Duval nous aurait bien refilé ses brosses. Ah, enfin, son fils, avec ses brosses. Et il y a des années que je le rends fou, ce pauvre garçon. Ah ouais. Et c'est vrai qu'un mariage aurait bien arrangé les choses. Mais que voulez-vous, je suis une romantique. Et je ne peux pas me résoudre à me marier par intérêt. Enfin, que par intérêt. Et puis le fils Duval avec ses brosses. Non, vraiment, c'est pas possible. Mais je parle. J'espère que je ne vous dérange pas, mon cher Daniel. Pas du tout. J'ai tout mon temps. Merci, Daniel. Ah, si seulement le jeune Duval pouvait être aussi humain que vous. Moi, avec mes balais. Lui... avec ses brosses, nous aurions fait un malheur sur le marché de la droguerie. Mais que voulez-vous? On ne peut pas lutter contre ses sentiments, n'est-ce pas, Daniel? Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, eh bien, revenons à nos balais et aux brosses de ce pauvre Duval. Vous savez que maintenant, je suis responsable des campagnes de publicité de nos deux sociétés. Oui, c'est formidable. Mm-hmm. Et vous savez ce que cela implique, mon cher Daniel? Non. Eh bien, que nous aurons l'occasion de nous voir deux fois plus souvent. Ah oui, c'est vrai, oui.
Tant mieux. Ce que j'aime quand vous me parlez comme ça, de façon si humaine. Si j'ai bien compris, vous voulez que j'étudie une photo qui mette en scène tous vos produits sur la même image? Mais exactement. Ok, je vais réfléchir et je vous montrerai les storyboards la semaine prochaine. Mais très bonne idée. Et puis vous viendrez dîner à la maison, hein, pour les montrer à père. Il sera enchanté de faire votre connaissance. Quand je lui ai narré notre rencontre, il n'en a pas cru ses oreilles. Oui, un photographe si bien élevé, si raffiné, et qui vit d'une façon si correcte. Salut Daniel. Salut. C'est quoi ça? C'est Marc, un ami. Attends, sois poli, maman. C'est quoi ça, là? Je suis le pote de Daniel. J'habite ici. Comment? Oh, mais quelle honte. Mais vous ne m'aviez jamais avoué une chose pareille? Vous, avec ce... Mais il est si laid. Non, mais... C'est ça. Non, mais... Ah, qu'est-ce qui lui arrive? Prends un calmant. Tu veux mon gilet? T'es plus ce qu'il y a dessus? Je ne peux pas... je ne peux pas rester une minute de plus. Madame Cucciardo, je peux tout expliquer. Ah, mais j'ai oublié mon dossier. Non, il n'y a rien à expliquer. Madame Cucciardo. Non, c'est révoltant. Adieu, messieurs. Ça m'a fait rigoler, hein. Heureusement que je suis arrivé. T'es débarrassé de... Une tailleur sur cintre. Tu sais qui c'est, Marc? Non, je me doute, quoi. Une représentante en balai. C'est Madame Pichardo, ma plus importante cliente, qui venait me voir pour me demander de faire toute la campagne de publicité pour sa marque. Alors là, je suis désolé. J'espère que j'ai pas compromis l'affaire. Je n'en sais rien, Marc. Mais en tout cas, franchement, tu m'as pas aidé. Alors là, ça tombe mal. Parce que, je vais te dire... On va avoir des frais. C'est quoi ça, maintenant? C'est la facture de ma moto. Tu sais, j'étais la chercher. Alors, comme on n'était pas limité, j'ai pris le modèle au-dessus. Vachement bien, avec toutes les options. Alors, c'est un peu plus cher. Viens, je vais t'emmener faire un tour, te voir, c'est merveilleux. Mets le gilet. Ça va, mon maquillage? Mais oui, ça va. Dis pas n'importe quoi, t'as même pas regardé. Magali, ça fait des mois que tu croises Marc, habillé, coiffé n'importe comment. Il est quand même fou de toi. Alors c'est quoi tout à coup, là, ce cinéma? Et alors, c'est pas une raison. Un amoureux, même transi, risque de devenir tiède, voire froid. Tu t'es décidé à prendre rendez-vous avec lui? Pas du tout. Mais, on sait jamais si je le croisais. Ça fait toujours plaisir de faire de l'effet un homme, même si c'est Marc. Ouais, t'as peut-être raison, finalement. Moi, il y a des jours où c'est un peu dur d'avoir tout sacrifié à l'éducation de son fils. Salut! Alors, comment s'est passé ton déjeuner? Merveilleusement bien. Vous ne pouvez pas savoir, les filles, comme c'est agréable d'avoir un homme qui vous dit que vous êtes merveilleusement belle, merveilleusement intelligente, que vous avez du charme, un homme qui rit à chacune de vos plaisanteries, qui... Ah oui, ça doit faire de l'effet. Si seulement je pouvais m'en souvenir. Oh, t'arrêtes un peu, toi. Et regardez. Non, mais regardez ce qu'il m'a offert. C'est sublime, non? Et pour quelle occasion il t'a offert ça? Aucune, justement. Il m'a simplement dit, le bonheur, c'est de pouvoir offrir un cadeau à celle qu'on aime sans avoir besoin d'occasion. C'est beau, non? Ouais, un peu cucu, mais pas mal. C'est peut-être cucu, mais toi, t'as bien de la chance qu'il t'arrive encore ce genre de choses. Parce que moi, je suis en train de réaliser que je suis la laissée pour compte de cet appartement. Toi, Magali, tu as Marc. Bon, d'accord, c'est pas l'idéal. Mais il te fait la cour toute la journée, c'est bien agréable. Toi, Fanny, tu as Denis Borto. Un peu enrobé, mais romantique, ça compense. Tandis que moi, j'ai personne. Rien et personne qui m'aime. Mais enfin, Claire, qu'est-ce que tu marmonnes? Tu vas pas nous dire qu'il n'y a plus aucun homme qui te regarde? Si, il y en a qui me regardent. Surtout quand je suis en voiture, au feu rouge. Il y en a même qui me klaxonnent. Non, ça... À cause de Vincent, j'ai négligé des relations qui auraient pu devenir extraordinaires. Extraordinaires. Oui. Bon, j'ai pas fini, tu permets? Qu'est-ce que je disais déjà?
Ah oui. Je suis la laissée pour compte de cet appartement. Voilà. J'ai fini de parler. Vous pouvez parler. Tania, s'il te plaît, fais quelque chose. Oui, oui, oui. Bon. Allez, ma grande. On va sortir, on va prendre l'air, respirer un petit peu, voir les petits oiseaux, faire les boutiques, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Mais tu vas te changer les idées. Tu crois? Oui, je crois, je suis même sûre. Oh, tu viens avec nous, Magali? Non, merci, j'ai déjà donné. Oui, je vois ce que tu veux dire. Allez, viens. Allez. Ouais, finalement, elle a peut-être raison, ça s'entretient des relations. Allô, Ma? Bah, j'ai entendu un grand bruit, vous êtes tombée? Kira, je vous assure que le pauvre Marc avait l'air mal en peine. Mais vous êtes sûre, madame Elfer? Mais où l'avez-vous vu? Eh ben dans la rue, en allant acheter mes tartes aux cerises. Tartes aux cerises, madame Elfer? C'est pas raisonnable, c'est vrai. Bon, et d'après vous, qu'est-ce qu'il avait, Marc? Ah ben, je ne sais pas exactement, je l'ai juste croisé. Mais il avait vraiment une sale tête, hein. À mon avis, il est gravement malade. Mais vous en êtes sûre, madame Bellefeuille? Si vous l'avez juste croisé, comment pouvez-vous dire ça? Mais je vous dis, à son visage, il avait une mine épouvantable. Il était pas rasé, il avait une tenue à faire peur. Oh, le pauvre. Enfin, madame Bellefeuille, nous ne parlons pas du même Marc. Moi, je l'ai vu hier soir, il est en pleine forme. Mais Gérard, oui. L'amour donne des antennes. Et moi, même la nuit, dans le noir, je reconnaîtrais Marc. Oui, bien sûr. Regardez ce que je vous disais! Oh, le pauvre! Dans quel état est-il? Marie-Joseph. Salut tout le monde! Bonjour, Marc. Que vous arrive-t-il? Vous êtes malade? Ben non, pourquoi? Mais ta tenue, Marc, ta mine, tout ça, l'anneau. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Ah ouais, le style grunge, quoi. Hein? Oh, Marc, vous êtes toujours aussi courageux. Vous taisez votre souffrance. Mais je vois que vous n'êtes pas bien. Oh, Marc, vous pouvez tout dire à votre petite Georgette. Le médecin a été direct. Il m'a dit, bon, c'est peut-être un peu dangereux. C'est surtout contagieux, quoi. Alors, ça donne des boutons. Moi, c'est vrai que ça me gratte pour l'instant. Ça vous gratte pas encore, Georgette? Ça me gratte, moi. Oh, Marc, comment vous avez dit que ça s'appelait, votre maladie, la grunge? Le grunge, le grunge. Il joue, Georgette. Oh, Marc, écoutez, je suis vraiment désolée pour vous, mais je suis très pressée. Je dois partir. Même pas un petit bisou, Georgette, un petit bisou. Ah, une autre fois. Quand vous n'aurez plus la grunge. Oh bah c'est malin, Marc. Elle va avoir l'air fin, madame Bellefeuille, quand elle va raconter qu'elle connaît quelqu'un qui a une maladie contagieuse qui s'appelle la grunge. Non, je suis sûr. N'empêche que pour une fois, elle a pas essayé de m'embrasser. Hein. Bah oui, peut-être, mais pourquoi tu t'appelles grunge? Mais pour séduire Magali. Les filles, ça les rend folles. Bah écoute, Magali et moi, on a les mêmes goûts. Bah, je suis sûr qu'elle va trouver ça moche, elle. Oui, t'as peut-être les mêmes goûts, mais elle, c'est une femme. Bah oui, bah moi aussi, je suis une... Oui. Et moi, je te dis que les filles, ça les rend dingues. Enfin, t'en es sûr? Mais la preuve, elle m'a donné rendez-vous, Magali. Ah bon? Mais elle t'a vu dans cette tenue? Pas encore. Mais quand elle va me voir, quand elle va me voir, elle va tomber. Bon, dès qu'elle arrive, tu me l'envoies, je suis au bar. Hein. Non, comme tu veux. Salut tout le monde. Bonjour vous. Coucou, c'est moi. Voilà. Non mais quel mode horrible, cette histoire de grunge. Moi je dois dire que je préfère les hommes raffinés. Alors bien sûr, on dirait de vraies poubelles. Mais ça me donne froid dans le dos, qu'il veut que je vous le dise. Salut, t'as pas vu Marc? T'as vraiment rendez-vous avec lui? Bah oui, pourquoi? Non, pour lui, il est au bar, il t'attend, voilà tout. Coucou. Putain, c'est Magali, ça va? Oh là là, une petite soif. Tiens, Magali, déjà de retour? Ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête, toi. Oh, écoute, c'est pas possible les rendez-vous avec Marc. Pourquoi? Parce que déjà qu'il est collant, barbant, maintenant il est sale. Sale? Oui. Oh, il finira bien par se laver, ça va le gratter. En plus, il s'habille grunge. Il paraît que c'est très à la mode. Mon pauvre chéri. Ouais. Maintenant, je suis comme toi. J'ai pas d'amoureux. Oh, faut rien exagérer. Mais dis-moi, ça a l'air d'aller, toi. Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce que t'as fait après avec Fanny? Eh bien, on est parti faire des courses, et puis on s'est arrêté prendre un verre, et tu ne devineras jamais sur qui on est tombé. Ah non? Sur qui? Sur son copain, Denis Bortot. Alors, il est comment? Pas mal. Évidemment, il n'arrive pas à la cheville de Daniel, mais il est sympathique. Et puis, il a beaucoup de charme. Et Fanny? Fanny, je sais pas. Je les ai laissées, je me suis éclipsée discrètement. Tu me connais? Ouais. Salut! Salut! On parlait de toi, justement. Ah? Ça va pas? Oh, si, 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 tout va très bien. Alors, il paraît que t'as présenté ton copain à Claire? Oui, elle lui a même beaucoup plu, d'ailleurs. Fanny, c'est gentil. Ah. Mais ne te crois pas obligée. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Je viens de passer une heure délicieuse avec lui où il n'a pas arrêté de me parler de toi. De moi? Oh, oh. Oui, si tu veux savoir, je crois que tu lui as tapé dans l'œil, ma chérie. Oh. Tiens, au fait, t'as oublié ton poudrier. Tiens. Oh. Mon poudrier. Dieu ait son âme. Bon, ben, je crois que je vais les voir, hein. Madame Bellefeuille. Bonjour. Je vous dérange pas, au moins. Je voulais juste vous demander comment vous trouviez mon nouveau look et si c'était bien grunge. Georgette, qu'est-ce qui vous prend de vous habiller comme ça, là? Eh ben, c'est à cause de Marc, parce qu'il m'avait dit qu'il avait la grunge. Alors, au début, j'ai cru que c'était une maladie. Et puis, quand j'ai compris que c'était une mode et puis que lui, il aime ça puisqu'il est grunge, eh ben, j'ai décidé de m'adapter à l'homme que j'aime. Alors, comment vous me trouvez? Très bien, Georgette.